Salut les geeks, c'est Loglis pour Back to the Geek. Là je vais vous montrer Kill All Zombies sur PS4, qui est un jeu de shoot à deux sticks, enfin comment on dit, twin stick shooter. Donc le principe c'est que là ils ont fait un patch où il y a deux modes de jeu supplémentaires. Là je vais vous montrer le mode survival classique. On choisit sa larme. Et en fait on est dans une arène hexagonale avec plein de petits trucs comme ça. Il y a des zombies qui nous courent dessus pour nous bouffer. Et puis on passe les niveaux en les butant. Et du coup quand on appuie sur triangle, on choisit une compétence. Par exemple là si je joue sur rond, j'ai un buff temporaire. Je peux accumuler les level up hein, pour déclencher les compétences que j'en ai envie. En sachant qu'évidemment ça devient assez vite. Hein. Donc là je suis à fond. On voit que la vie elle descend très vite. Hein. Il faut vraiment se faire toucher. Alors à quoi sert l'arène ce petit En fait le principe c'est que il y a plein de choses qui peuvent se passer. Là par exemple, le camion qui tombe. Et je suis mort comme une merde. Ok. Sinon il y a. On va refaire une partie. Je vais prendre le flingue. Welcome to Arena. Sinon il y a des compétences qui se déclenchent. Par exemple, Burning Flame, c'est bien parce que c'est un petit peu. Donc voilà, par exemple, si je fais ça, voilà. Donc là, c'était parfaitement inutile, mais ça peut nous servir. Donc en fait, bref, le décor bouge beaucoup avec les différents événements qui se passent. La vraie grosse particularité de Kill All Zombies, en fait, il a été présenté comme ça, c'est que on peut jouer tout en le diffusant sur Twitch par exemple, ou n'importe quel stream. Et en fait le principe c'est que les gens qui vous regardent tapent des commandes bien spécifiques et ça déclenche des events sur leur propre carte. Sur le papier c'est sympa. En action, là je vais pas vous montrer parce que c'est assez chiant en fait. Mais en action, bon bah là, c'est amusant quoi. Mais sans plus, c'est pas. Le problème c'est que pour un système basé là-dessus, il faut que le jeu soit assez captivant. Or, Kilo Zombie c'est rigolo. Mais on va vite fait le truc. Quoi. En fait, le problème de ce jeu, c'est qu'il se renouvelle pas du tout. Et que. Et en plus, la difficulté est assez grande. Là, par exemple. Donc. Ça donne un truc très impressionnant. Et alors, quand il y a des gens qui vous regardent et qui tapent des commandes pour s'amuser. C'est marrant, mais ça les fait plus marrer eux que moi. Donc au final, c'est la faute de nous. Donc vraiment, honnêtement, Kill All Zombies, c'est pas super. C'est dommage parce que moi, j'aime beaucoup les jeux comme ça. J'ai vu que c'est un shooter.
Mais bon, voilà, c'est génial. Ça vaut une dizaine d'euros, je crois. Je trouve que c'est même trop cher. Bon, là, je redis tout ce que j'avais. Donc, ouais, une dizaine d'euros, moi, je trouve que c'est franchement un petit peu cher. Vous pouvez vous amuser avec des potes, peut-être, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Juste pour vous montrer rapidement, vous avez le Box Defense, c'est la même chose, sauf qu'au centre de la carte, il y a un truc à défendre, et en l'occurrence, les zombies attaquent ce truc et non pas vous, et en coopératif, vous jouez à deux. Welcome to Arena. Ça, c'est leur seule. La seule petite idée qu'ils ont eue en faisant ce jeu. Pour la petite info, c'est les gars qui ont. C'est les gars qui ont développé. Run, Zombie, Run, un truc comme ça. On le connaît à Oga, en fait, qui sont les gens qui sont les. Et honnêtement, c'est une catastrophe ce jeu. Je l'avais partagé sur, en version PS Vita, c'était une catastrophe. Ce jeu-là est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Donc franchement, voilà. Même si on est fan du genre, il y a quand même beaucoup mieux. Voilà. Que dire de plus, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu du jeu. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas tous les mêmes goûts. Et puis, peut-être qu'il y en a qui sont bien fans de jouer à ce jeu-là en streaming. N'hésitez pas, mais. Voilà, c'était le bis pour le début. Yeah.